Good morning, allez, Iden, je suis aujourd'hui, l'irfouat et elmiramne abat Sarah, chayerika abat Léa, Sarah, bat Nechama, chanalea, bat Gitel Dvora, Eliaou, Raphaël, ben Chaya, Tizel, betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi l'idée de prochaine diffusion de Misha, connectez la sagamité éternelle, nous étions au Sérat Psachim, Perigdalet, Mishna Gimel. Makom shenagou limkor, behemada kalagouim, mochrin. Makom shenagou shelo, limkor, en mochrin. Ouechol makom en mochrin, lahem, behemma, gassa, agalim, ou siachim. Shlemim ou Shuvrin, Rabbi Yehuda matir bashvura, Ben Betera matir basus. En rapport avec la Mishnah Aleph, la première Mishnah du Perek, où on avait vu que un usage doit être suivi que s'il est censé. Ouais, on avait expliqué, on avait posé une règle, que si un usage qui est censé, qui a une certaine source sur quoi se fonder halakhiquement, ou c'est une bonne barrière, alors le minag est validé et on doit s'y plier, même si tout le monde n'est pas obligé de le faire. En rapport avec ça, même si le reste du monde n'est pas obligé de le faire, mais si dans une ville il y a eu un rave qui a décidé qu'on n'allait pas travailler depuis le 14 au matin, eh ben on ne devra pas travailler le 14 au matin. Et par rapport à ça, maintenant la Mishnah Lévien nous apprend une nouvelle situation encore, une nouvelle machloquette. Un usage qui s'est répandu dans certaines villes et dans d'autres villes que non. Makom shenagulim kor behemad dakal agoim mochrin. Un endroit où on a l'usage de vendre du menu bétail, behemadaka, c'est le menu bétail, les bovins, les ovins plutôt, et au goïm, alors on aura le droit de leur vendre. Par contre, makom, shenagouche, l'olimkor, si on adoptait l'usage de ne pas leur vendre, au goïm, on ne leur vend pas, du menu bétail, alors, enmochrin, on ne devra pas leur vendre. Vous ne devez pas comprendre grand chose, alors on continue la prochaine phrase de les comprendre. Vchol makom, enmochrin, la mbma gassa. Et dans tous les endroits, on n'aura jamais le droit de leur vendre une bma gassa. Une du gros bétail. Et on commence à expliquer de quoi on parle, en fait. Il y a un interdit qui est là, qu'on vient de lire, qui est l'interdit de vendre du gros bétail à un animal, à un goy. Étant donné que avec le gros bétail, on travaille, qu'il s'agisse d'âne, de cheval, ou surtout, essentiellement, même de taureau ou de vache, avec un vache, une vache ou un taureau, on peut tirer la charrue, labourer. D'accord ? Qui est une action que si on la faisait pendant Shabbat, on transgressait l'interdit. Idem avec un cheval ou un âne, on tire des charges, on transgresse l'interdit de porter. Même si, il faut savoir d'abord, peut-être qu'il faut introduire par là, que l'ota se kol mancha ataon uvem techa. C'est dit dans le pasouk, dans la Sarat HaDibrot, que tu ne devras pas faire un travail à Shabbat, même avec ton animal. L'interdit de mechamer, ça s'appelle. Utiliser un animal pour transporter quelque chose à Shabbat, c'est un interdit. Utiliser un animal pour labourer à Shabbat, c'est un interdit. Minatora, même si on n'est pas Khayav on n'est pas Khayav Skila sur ça, c'est moins grave, on est juste Khayav Malkout. On est quand même Khayav quelque chose. Donc ça, c'est un interdit. Du coup, on n'a pas le droit de travailler avec un animal à Shabbat. Ramim, on fait un décret, dans ce cas-là, tu ne vends pas, toi, ton gros bétail, avec lequel tu peux travailler, à un goy. Pourquoi? Parce que je vais te retrouver dans une situation délicate. Par exemple, d'abord, premièrement, peut-être que tu vas lui louer ton animal, ou tu vas lui prêter ton animal, il va se mettre à travailler pendant Shabbat avec. Or, puisque c'est ton animal, tu n'as pas le droit, tu te rappelles que tu travailles pendant Shabbat, parce que tu n'as pas le droit de faire travailler ton animal pendant Shabbat. Premièrement. Deuxième situation, si tu lui vends complètement, tu ne transgresses plus l'interdit. Minatora. Chachamim, enfin, décret que tu ne lui vendras pas, comme ça, on est sûr que tu ne vas pas te mettre à le louer. Autre situation encore, tu vas lui vendre, mais quoi? Tu vas lui vendre le vendredi après-midi. L'animal, il ne veut pas sortir pendant Shabbat, et après, tu lui dis. Violette, vas-y, sors. Elle va sortir à cause de toi, ta vache, pendant Shabbat. En train de porter. Donc, c'est en train de nouveau de transgresser l'interdit pendant Shabbat de Mechamer. Rabbim, on fait un décret, tu ne vends pas un animal, un goy, un groupe du gros bétail. Barthes nous rapporte qu'on a le droit de le vendre par un sarsour, par un intermédiaire, par un. Vous voyez comment ça s'appelle quelqu'un qui s'occupe de acheter et revendre. Le mot, il m'échappe, c'est pas grave. Donc, il s'occupe de. Promoteur, c'est pas grave. D'accord, il vend des marchandises, il prend des marchandises de l'un et il le revend à l'autre par un intermédiaire. Alors il aura le droit de le faire là cette fois-ci parce que l'animal il va pas plus écouter cet intermédiaire que l'acheteur. Donc il y aura plus la crainte tellement. Mais en tout cas, vendre toi directement goy, t'as pas le droit de le faire. Du coup, suite à cela, il y en a qui ont adopté l'usage même en tant que barrière. De ne pas du tout vendre d'animal au goy, même du menu bétail. Alors qu'avec le menu bétail, on ne risque pas de travailler, parce qu'on ne se met pas à labourer avec ni un mouton, ni une chèvre. Il n'y a rien à faire comme travail, Ménatora, avec eux.
Donc, on ne transgresse plus l'interdit Minatora. Et il n'y a plus du tout d'interdit, il n'y a pas de risque de transgression d'interdit Minatora. Dans certains usages, dans certains mêmes endroits, on a adopté l'usage de ne pas travailler avec eux, de peur qu'on va se mettre, de ne pas vendre ces animaux, de peur qu'on va se mettre à leur vendre du gros bétail. D'accord? Je continue maintenant la Mishnah, de Ubechol Makom en dans tous les endroits où on ne leur rendra pas, donc Behem Agassa, du gros bétail, et là la Mishnah me précise, Agalim ou Siachim, qu'il s'agisse même de petits veaux ou de Siachim, c'est des petits, des ânons, des petits ânes, donc qui ne sont pas aptes à travailler. En théorie, je risque pas de travailler avec eux. Je risque pas de travailler puisque le petit veau, il est encore trop petit pour se mettre à tirer une charrue. Il n'y a pas de risque qu'il va travailler pendant Shabbat. Je devrais permettre de le lui vendre, autant que le menu bétail. Et la réponse, elle est que non, malgré tout, dans l'espèce vache, on t'interdit tout. Même s'il n'est pas encore mûr pour le faire, parce qu'un jour, il le sera. Et aussi, idem, shlemim ou shvurim, qu'il s'agisse aussi d'animaux qui sont en bonne santé, ou bien même shvurim qui ont des pattes cassées. En deux mots, si une vache avait une patte cassée, elle risque de tirer la charrue. Imaginez qu'il y en a une patte qui n'est pas cassée, qu'on peut lui mettre en plâtre. Cassée, qui n'a plus rien à faire avec elle. Donc, et ben la Michelle m'a dit, je me dis que je n'aurai pas le droit de la vendre malgré tout à un goy, parce que on a fait un décret sur tout le gros bétail, tu ne le rends pas au goy. Sur ça, on a une petite marloquette en fait, que Rabbi Yehuda m'attire, ben, je vois Rabbi Yehuda, il va dire non, si elle a réellement une patte cassée et qu'il n'y a aucun risque que tu vas la confondre avec un animal en bonne santé, alors il va te permettre de la vendre. L'alakha n'est pas comme Rabbi Yehuda sur ce détail. Et sur ça, on a en plus Rabbi Ben Betera Matir Bassous. Ben Betera permet maître aussi de lui vendre un cheval. La marloquette avec Ben Betera et Chachamim, elle est intéressante en fait, parce qu'elle touche à une autre question. Quelle est la fonction essentielle du cheval? Transporter des hommes ou transporter une charge? C'est la question. Quelle est la conséquence? Si à Shabbat, je porte une charge sur mon dos et je sors dans la rue, je transgresse un interdit de porter. Mais si à Shabbat, je vais prendre un homme, je vais le mettre sur mes épaules et je vais sortir dans la rue, je ne transgresse plus l'interdit de porter Minatora. Parce que Achaïn osé et atzmo. Il y a une halakha qu'on peut pas, on ne transgresse pas l'interdit de porter lorsque je déplace un être humain qui sait marcher lui-même. Ouais, imaginez quelqu'un, il m'a pris sur ses épaules et puis il m'a amené quelque part, ça ne s'appelle pas qu'il a transporté une charge. Je n'ai pas une charge, je pouvais venir de mes propres, avec mes pieds, tout seul. Il a décidé de me prendre, il m'a aidé à venir, mais ce n'est pas lui qui m'a porté. C'est assez complexe à comprendre pourquoi exactement. C'est comme ça, mais en tout cas, c'est une règle. Chayin oset etzmo, un être vivant se transporte lui-même lorsqu'il sait lui-même marcher. D'accord? Ça, c'est l'élément de base. Du coup, donc on a dit, si je porte une charge, je transgresse un interdit de porter. Si je transporte un être humain, je ne transgresse plus l'interdit de porter Minatora. Je reviens maintenant sur un animal. Si maintenant, avec mon animal, mon cheval, je vais mettre un homme dessus et je vais tirer le cheval, je ne vais pas transgresser l'interdit de Nechamer, d'utiliser un animal pour faire un travail, pour porter pendant Shabbat. Alors que si je vais mettre une charge sur le cheval et que je vais tirer le cheval, je transgresse l'interdit de porter, de Mechamer, de porter par l'intermédiaire de mon animal. Du coup, la question maintenant entre Ben Betera, donc tout le monde est d'accord avec cet axiome. Tu mets une charge sur un animal, sur le cheval, tu le tires, tu transgresses un interdit Minatora. Tu mets un être humain sur un animal, tu le tires, tu ne transgresses pas un interdit. D'où la question maintenant entre Ben Betera et Chachamim, quelle est la fonction essentielle d'un animal? Transporter des charges ou transporter des êtres humains? Selon Ben Betera, lui, pour lui, un cheval, ça sert à transporter des hommes, ou tirer une charrette d'hommes, mais pas d'animal, pas de charge. Du coup, il n'y a pas, même si tu vas te mettre à prêter ton cheval à un goy pendant Shabbat, ou à lui vendre le cheval pendant Shabbat, il n'y aura pas de risque y a pas de risque à craindre que tu vas te mettre à transgresser un interdit Minatora. Parce que, dans la logique, il y a un homme qui va monter dessus, mais ça sera au total, et puis. Si au pire il va se mettre à marcher, tu ne transgresses pas l'interdit Minatora, donc il n'y a pas lieu de t'interdire de vendre un animal de peur que tu vas te mettre à. Peut-être qu'il va se mettre à porter un homme et alors il n'y aura pas d'interdit Minatora. Alors que si l'animal, le cheval, dans sa fonction, il est aussi apte à porter des charges, alors peut-être que lorsque tu vas vendre ton cheval à un goy, ce goy-là, il va lui apporter, il va lui mettre dedans de toutes sortes de sacs et de charges dessus, et que dans ce cas-là, quand il va se mettre à sortir par ta cause pendant Shabbat, c'est toi qui vas transgresser l'interdit de Mechamer, donc qui est le même interdit que les taureaux et vaches, il sera en vigueur de nouveau avec les chevaux. La halakha n'est pas établie comme Ben Betera, il me semble, c'est précisé. Ben halakha que Ben Betera. La halakha est comme Chachamim, que même les chevaux, on n'a pas le droit de les vendre au goy,
directement, mais comme ce qu'on a pris par l'intermédiaire d'une tierce personne, on aura le droit de le vendre au goy. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.